voici les nouvelles clés du nouveau classe B. Il s'inspire clairement de la nouvelle classe A. Aussi bien sûr les clés qu'au niveau du style. Et il a de l'allure ce nouveau classe B. Alors on pourrait presque faire du tout terrain avec. Mais c'est vrai que comparé aux anciennes générations, moi j'ai été propriétaire des anciennes générations de classe B, il y a eu un gain en un vent sur le confort. Même en finition AMG Line et les jantes 19 pouces, le confort à bord est vraiment remarquable. On a droit à un coucher de soleil dans l'écran HD, c'est très beau. On est sur la région de Montpellier. Bon les amis, sachez que ce classe B, accrochez-vous. Alors je vais d'abord dire la finition, c'est une finition AMG Line avec quelques options qui font grimper la facture. On est sur une motorisation, la plus grosse motorisation diesel que vous pouvez mettre sur un classe B, c'est le 220D avec une puissance cumulée de 190 chevaux. Alors après, les performances sont quand même assez là, hein. Vous atteignez facilement les 100 km/h en quelques 7 secondes. Vous avez vraiment une face arrière qui fait penser un peu à la classe A, mais un peu agrandi forcément. C'est un classe B qui a la classe. C'est un classe B premium, donc un monospace premium qui s'oriente avec des notes de luxe en fonction de la finition que vous prenez et en fonction des options. Alors sachez, hein, pour le tarif, on est sur une version qui vaut clé en main 47 000 euros. Sachez qu'avec quelques options sympathiques certes, ça fait grimper la facture à 57 000 euros. Et oui, je vous vois vous affoler en commentaire en me disant que pour 57 000 euros, et ben qu'est-ce que tu prendrais pour 57 000 euros en monospace de luxe? Ben il n'y a pas grand chose sur le marché. Vous avez quoi? Vous avez chez BMW l'Active Tourer, qui franchement est moins fan, est moins stylé et moins bien fini que ce classe B. Et puis après, bah, vous avez les Scénic, mais alors là c'est une autre fourchette de prix, parce que est-ce que vous avez un Scénic où les seuils de porte s'illuminent dès que vous rentrez, avec tout un arsenal technologique et une présentation intérieure qui frise la perfection? Honnêtement, Mercedes a encore mis le paquet avec le dernier opus du classe B. En plus de la classe A, le classe B rajoute en volume, en habitabilité, avec un plus gros coffre, une plus grande accessibilité aux places arrière. C'est un peu une classe A agrandie, améliorée. Et ici, vous avez de quoi installer toute la famille. Alors, au niveau relance, il a du couple, hein. Il a pas mal de couple. Je pense qu'on doit atteindre facilement les 390-400 Nm de couple. Donc vous arrivez vite, hein, aux vitesses limites sur autoroute et sur route. Donc au niveau relance, ne vous inquiétez pas. Il a toutes les aptitudes pour dépasser en toute sécurité. Il en a sous le capot. Alors au niveau des rangements à l'intérieur, on a ça pour ranger les clés, les portables. On a ça, la boîte à gants, un peu profonde, avec un branchement, c'est plus de l'USB, c'est de l'USB-C je crois, et également ici. Alors il faudra des adaptateurs, hein, pour ceux qui n'ont pas encore cette prise là. On a des bacs de portière qui peuvent contenir plusieurs bouteilles. Voilà, on a une finition, hein, encore une fois, hein, du bois, de l'aluminium, c'est très bien fini. On a une boîte à gants, bah oui, une boîte à gants dans un monospace, c'est le minimum vital. Elle reste convenable. Et puis bah après, au niveau rangement, c'est tout. On a des rangements à lunettes ici. Et puis après, vous avez toute une série de boutons. Alors, il y en a un peu partout, les boutons. On s'y perd un peu. Moi, j'aime beaucoup parce qu'au moins, ça permet d'avoir des raccourcis. Ça permet d'éviter de passer tout par le digital, par l'écran tactile. Vous avez aussi des touches ici qui sont très, très bien finies. On a un toucher qui est très, un bon ressenti qui est très bien fait. Voilà. J'ose dire que c'est un monospace de luxe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petites références. Écoutez ce petit bruit. C'est très beau, j'aime bien, c'est raffiné au toucher, il y a tout, il y a le toucher, il y a aussi le bruit fait sur le bruit des touches. On dirait que c'est un peu étudié, je pense que c'est clairement étudié. Voilà, vous avez des aérateurs qui sont très beaux, vous avez des matières un peu laquées, vous avez du bois, vous avez de l'aluminium. Pour moi, c'est le monospace de luxe, je le répète, sur une finition AMG Line. Alors effectivement, là les prix, ça grimpe un peu plus. On est sur la plus puissante des versions diesel, le 220D.
avec une puissance qui culmine, attention, accrochez-vous, à 190 chevaux. Alors oui, effectivement, c'est pas énorme, mais c'est le plus gros moteur qui puisse exister sur ce Classe B 220D. Attention, les prix, ça commence à grimper. On est autour des 45 000 euros et celui-ci, celui qu'on conduit, est affiché à plus de 57 000 euros. Ça commence beaucoup à chiffrer pour un monospace de luxe. Dites-moi un petit peu, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie des monospaces premium. Il n'y en a plus beaucoup. Hein, il y a BMW avec, je crois, l'Active Tourer. Vous avez, qu'est-ce que vous avez chez Audi? Il n'y en a pas. Hein, il n'y a pas de monospace. Vous avez soit le Q3 ou rien du tout. Et puis après, derrière, bah, vous avez dans les généralistes le Renault Scénic. Mais alors, du coup, là, ce n'est plus du tout les mêmes prix. On divise presque tout par deux. Les amis, vous ne rêvez pas. Vous n'êtes pas dans une boîte... une discothèque, ça pourrait y ressembler un peu. Voilà, alors on va se concentrer sur la consommation. Le point consommation, j'arrive à une très belle consommation, 5,3 litres au 100. Franchement, je pense que je peux atteindre facilement les 5 litres au 100. Ça reste une belle performance en termes d'efficience. Et pour ceux qui veulent, qui sont de gros rouleurs et qui prendront cette motorisation diesel, je comprends à 100%. Vous allez pouvoir faire des kilomètres sans trop consommer, comparé par exemple à une version essence où là les consos s'envolent entre 6 et 7 litres au 100. Donc pour les gros rouleurs, je conseille ce 220D. C'est vrai que sur cette finition AMG Line, ça vraiment, ça rend le côté un peu sportif. Hein. On a une lame avant qui est différente, enfin plutôt une calandre avant différente, une calandre diamantée. On a un peu de chrome ici. On a des faux aérateurs. Hein. Ce sont des faux, mais qui donnent encore plus de style vraiment à cette ligne AMG Line. Et du coup, vous avez voilà des jantes spécifiques de 19 pouces et vous avez vraiment une allure très monospace de luxe, de sport si vous voulez, hein, ça cumule un peu plusieurs esprits. L'arrière est un peu plus fade hein, à mon avis, c'est vraiment mon avis, l'arrière est plus fade, ça ressemble à une espèce de GLC, de classe C, de classe A. On a un joli diffuseur quand même, il y a un vrai effort de fait. Pour moi ce sont des vraies sorties d'échappement ici. Et on a donc des échappements chromés, on a un diffuseur un peu surligné par un trait en aluminium qui rend plutôt le côté sportif de ce véhicule à vocation familiale. Regardez, même de profil, il est très sport. Une ceinture de caisse qui est vraiment très basse. Et voilà aussi, aujourd'hui, vous avez les nouvelles signatures lumineuses et les nouveaux boucliers qui caractérisent, on va dire, toutes ces Mercedes. Hein. Dans l'esprit du Mercedes Classe A, et ben, honnêtement, c'est une belle réussite sur ce nouveau Mercedes Classe B. Alors à noter hein, les amis, le côté sportif, une espèce de béquet en relief qui donne encore plus de un côté plus ramassé à l'arrière, qui donne ce côté sportif avec ces deux sorties d'échappement. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça reste un monospace qui a la classe. Une calandre diamantée s'il vous plaît, ça lui va vraiment à ravir. Ici on a tout un arsenal de radars, de capteurs intégrés dans le logo avec un effet trompe-l'œil sur le logo Mercedes. Hein. C'est pas du 3D, hein, c'est tout plat, mais c'est très bien fait, très bien fichu. Alors l'avantage hein, d'avoir des compteurs digitalisés, c'est qu'on peut faire tout et quasiment n'importe quoi. Et là, Mercedes nous propose quand même une belle interface graphique. Alors vous pouvez sélectionner plusieurs modes d'affichage, sportif, normal, épuré. Là, on est un peu dans le turfu, si vous voulez. Et j'en profite pour faire un petit point consommation. On tourne autour des 6 litres au 100 pour ce moteur diesel, 190 chevaux, je vous le rappelle, avec une autonomie totale qui peut atteindre facilement les 700 voire 800 km. C'est vraiment de très bons résultats. Ok, donc vous avez deux gros écrans. Celui-ci n'est pas digital, mais celui-ci l'est. Et il faut dire que le Classe B il braque plutôt bien. Regardez le rayon de braquage, ça tourne vraiment. C'est assez bluffant. Alors autant vous dire que pour les manœuvres en ville, je pense que ça va être assez facile de se garer, en plus de la caméra de recul et du park assist.
qui dit voiture de luxe ou premium dit siège chauffant. Et oui, même en tant que passager, j'ai le droit au siège chauffant, c'est vraiment sympa. Alors j'avais pas vu les amis, on a l'affichage tête haute ici. Alors je sais pas si vous le voyez, en tout cas c'est là. Je sais pas si vous voyez, on a l'affichage tête haute présent sur ce classe B. Ça a un avantage, c'est qu'il a, il y a pas le, le petit morceau de plexiglas, il est carrément intégré dans le pare-brise. On a fait une petite halte pour prendre nos amis les ânes en photo. Et je pense qu'ils sont subjugués par cette ligne de ce monospace avec un look de supercar. Non, je rigole. Je pense qu'ils sont plus interloqués par le bruit du diesel qui est... Pour un diesel 220D, ça reste discret comparé aux anciens 220D, ceux qu'on a pu connaître. Honnêtement, ils ont bien fait, ils ont bien travaillé l'insonorisation, aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur. Alors, on a un rayon de braquage qui est vraiment intéressant. Ça braque plutôt bien et on a une caméra HD vraiment du plus bel effet. Franchement, la Mercedes a mis le paquet sur ce classe B. Regardez vraiment la netteté de la caméra quand même, ça reste impressionnant. Le coffre, 455 litres de volume de chargement. Ici, on a une petite poignée qui permet d'agrandir encore plus le volume. Donc 455 litres au total et 700 litres si vous poussez les banquettes. Les banquettes sont coulissantes, vous les poussez et vous les inclinez. On arrive à un volume de chargement record pour la catégorie de 700 litres de volume de chargement. Alors vous avez bien sûr plusieurs coloris au catalogue. Ici on a du blanc, on a du gris, on a du rouge. Et là la version, c'est vrai, AMG Line avec cette finition rouge ou gris, ou grise, lui va à ravir. Alors franchement cette config elle est quand même pas mal. Il y a un joli reflet. Elle a des jantes que j'adore aussi, des jantes qui sont très bien travaillées type AMG. Alors vous les avez soit en grise ou soit en noir. Vous noterez aussi les disques perforés pour ce côté un peu plus sportif. Alors ce qui est intéressant ici, vous le voyez sur le GPS, c'est que vous avez la caméra quand il y a besoin de tourner à droite ou à gauche, et vous avez une espèce de réalité virtuelle, des indications clairement indiquées sur la caméra, donc ce qui permet de vous aiguiller, de vous aider à naviguer encore plus simplement grâce à cette nouvelle technologie que Mercedes propose à bord de ce classe B. Petite signature lumineuse. Allez, c'est parti, j'embarque dans une nouvelle version. Le petit logo Mercedes qui m'accueille, rétro-éclairé. C'est parti. Là, Mercedes met encore la barre très très haute avec ce nouvel opus du classe B. On s'approche d'une classe S, on fait mieux qu'une classe A. Et autant vous dire que ça a son petit effet. Allez, c'est parti, on va démarrer l'engin. Baisse le son. Alors, vous avez une petite... on l'a peut-être pas vu à l'écran, vous allez le voir, on va le refaire. Mais vous avez une petite cinématique, une petite scénette. Lorsque la voiture s'allume, des feux, regardez, pac, pac, pac. C'est stylé, j'aime beaucoup. Voilà, on a un écran d'accueil. Alors, je m'appelle pas Guillaume. Bonsoir, on me dit bonsoir dans une Mercedes. Quelle attention il y a dedans, ça c'est bien. Je baisse le volume ici. Ok. Alors vous pouvez tout paramétrer, ici on va mettre la luminosité à fond pour que vous voyez un petit peu ce que donne l'intérieur. Là c'est un peu multicolore, mais en réglant un petit peu, on va pouvoir choisir ses propres couleurs. Et on va pas mettre du multicolore, et on va choisir une couleur. Alors vous le voyez, c'est assez incroyable, c'est un classe B, oui c'est un classe B. Et vous pouvez choisir un petit peu toutes les couleurs que vous voulez, vous en voulez... Du bleu, vous en voulez, du rose, il y a toute une palette de couleurs. Et on peut même demander à Mercedes, sans rien toucher, s'il vous plaît. Oui, attendez, sans rien toucher, changer la couleur. Hé hey, Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Change la couleur en bleu. Ok. Je change la couleur. Waouh, regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Vous êtes bien à bord du nouveau Mercedes classe B, ambiance boîte discothèque, c'est parti. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Baisse la température à 19 degrés. Ok, je règle la température sur 19 degrés. Hey, sympa.
Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Augmente la température à 21 degrés. Ok, je règle la température. Vous avez vu ? Sur 21 degrés. Les deux bus d'aération se sont mis en rouge. Alors après, si vous voulez vous amuser, vous avez plusieurs coloris. C'est sympa aussi. Vous avez les bus d'aération en rouge. Et même les boutons de réglage de siège sont rétro-éclairés. Pour vous dire un petit peu le détail. Regardez, même le logo Mercedes s'allume. Non, franchement, Mercedes, ils ont fait très très fort avec ce nouveau Classe B, hein, qui donne encore un peu plus de fun et de personnalisation à bord. Vous avez aussi l'écran paramétrable, entièrement digitalisé. Vous pouvez tout faire avec, vous pouvez le personnaliser. Alors, il y a énormément de boutons. Ces boutons ici sont éclairés. Ça permet une meilleure visibilité. Vous avez même le pédalier qui est éclairé. Vous pouvez le mettre en n'importe quelle couleur. Là, on est en full couleur, couleur volcan, si vous voulez. Et on va se mettre en mode bleu, en mode discothèque. Et là, vous avez même le pédalier bien éclairé. C'est juste incroyable à bord de ce Classe B. Donc, on va voir un petit peu les différents affichages possibles. Vous avez l'affichage full screen, là, qui permet de voir un petit peu la carte GPS en plus de cet écran ici. Vous avez quoi d'autre? Vous avez il y a énormément de choses, hein. Vous pouvez même le mettre en mode 3D. Vous pouvez même ça devient presque complexe et il faut vraiment du temps pour vraiment personnaliser le compteur. Alors là, ici, je peux gérer la partie de droite, je peux gérer la partie du centre en mettant uniquement le GPS. Ici à gauche, je peux changer en mettant la radio, je peux mettre l'itinéraire. Je peux avoir une quantité énorme d'informations à droite, à gauche. Il y en a partout. Alors c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation. Mais à partir de là, vous pouvez tout faire. Et c'est ça qui devient assez fun dans cette Mercedes Classe B. C'est que vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez personnaliser la température d'ambiance intérieure. Vous pouvez personnaliser les compteurs. Vous pouvez même parler à votre Mercedes. Hey, Mercedes! Oui, s'il vous plaît. Emmène-moi à Paris. L'itinéraire vers la destination, Pont Neuf. Paris est en train d'être... Bon, voilà, il n'y a plus rien à faire. Cette voiture fait tout automatiquement. Elle est juste incroyable. Et là, Mercedes met le niveau très très haut par rapport aux concurrentes. Le moindre détail, même les portes, c'est éclairé. Même les portières, les bacs de portières, c'est éclairé. Tout est éclairé. Même les pédaliers sont éclairés. Tout, absolument tout est éclairé. Même la boîte à gants est éclairée. Tout est éclairé. Même les bus sont éclairés. Voilà les amis, j'espère que cette petite démonstration sur ce Mercedes Classe B vous a satisfaite. Une démonstration qui vraiment est admirable. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Je ne sais pas si vous voyez mon pouce, un petit pouce levé. Pour nos vidéos, pour cette belle vidéo et la suite de l'essai sur ce Classe B continue dans une prochaine vidéo. Donc restez connectés, restez abonnés, activez la petite cloche. Je vous dis à plus tard pour de nombreuses vidéos. Ciao !